Bien, mes chers collègues, bonjour à tous. Nous allons commencer nos travaux de ce matin. Je salue le président du gouvernement ainsi que les membres du gouvernement, enfin M. Vaïmois Mouliava présent, l'administration du gouvernement du Congrès, le public et la presse. Donc vous avez été convoqués en séance publique par courrier daté du 13 novembre 2020. Est-ce que Mme Isabelle Calori-Buram est là? Non, elle n'est pas là. Elle est là. Ah, M. Saliga. Oui, M. Saliga, donc, est-ce que vous pouvez procéder à l'appel des élus pour vérifier si les conditions de quorum sont requises, s'il vous plaît? Oui, merci, M. le Président. Président Bakès, Marie-Jo Barbie, Philippe Blaise, Premier vice-président, M. Brial, M. Brinon est absent, donne la procuration à M. Blaise. M. Crenier est absent, est excusé. M. Cuyenon, député Dunoyer. Mme Fèvre est absente, donne la procuration à Mme Huetta. Mme Falayo. M. Favreau. M. Frogier. M. Goa est absent, donne la procuration à M. Wanneux. Mme Goa Patricia est excusée. Le député Gomez est absent, donne procuration à M. Dunoyer. M. Goromido est excusé. Mme Eo, excusée. Mme Jalabert. Mme Caloy-Béarouné. Mme Caz est absent, donne procuration à Mme Caizé. Mme Coité est absent, est excusée. Mme Wright. Le président Lallier est absent, donne procuration à Mme Nesline. Mme Machoro est absente, donne procuration à Mme Sakilia. Mme Malfa. Mme Manu Halalo. M. Mapou est excusé. M. Medzorf. M. Michel est absent, donne procuration à Mme Manu Halalo. Mme Montagnan est absente, donne procuration à Mme Cuyeno. M. Cuyeno, pardon. Mme Nesline. M. Néotin est absent, donne procuration à Mme Thioué. M. Pabouti est absent, donne procuration au président Romiton. M. Ponga est absent, donne procuration à Mme Rifnak. Mme Kaizé. Mme Rifnak. Mme Sakilia. M. Saliga. Saliga Lutovica. M. Sawa. Mme Sauvé. Mme Tijinmaï. Mme Thioué. Mme Toufélé. M. Tokumuli, M. Tutugoro, M. Tutugoro Victor est absent, donne procuration à M. Washetin. Mme Rendegou est absente, donne procuration à Mme Jalabert. Mme Waitra, Mme Waka, président Wamitan. Présent. M. Waneux, M. Washetin, Mme Watéou, M. le président, le quorum est atteint. Bien, merci, M. Saliga. Donc, notre hors du jour ce matin, d'abord, nous allons procéder à l'examen d'un projet de délibération habilitant le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à négocier et à signer un avenant, un accord particulier entre l'État, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les territoires des îles Wallis et Futuna. Donc, pour votre information, cet avenant a vocation à être signé le 20 novembre, c'est-à-dire après-demain. Et le deuxième point, il s'agit de désigner des rapporteurs spéciaux sur trois avant-projets de loi du pays et cinq projets de loi du pays. Donc, nous allons procéder à l'examen de l'ordre du jour. S'il n'y a pas de déclaration liminaire, donc, nous prenons ce projet de délibération habilitant le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à négocier et à signer un avenant à l'accord particulier entre l'État et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les territoires des îles Wallis et Futuna. Il s'agit du rapport 79/GNC du 10 novembre 2020. Ce projet a été déposé sur le bureau du Congrès le 10 novembre, examiné en commission des relations extérieures le 16 novembre. Le rapport de commission numéro 60 du 16 novembre 2020, diffusé le 17 novembre 2020. Pour mémoire, la commission des relations extérieures est présidée par M. Pascal Sawa, vice-présidente Mme Laura Vendegou et rapporteur Mme
Omera Neslin. Monsieur le Président du gouvernement, est-ce que vous avez une intervention liminaire, s'il vous plaît, sur ce projet de texte? Oui, merci. Bonjour, Monsieur le Président du Congrès. Bonjour, chers collègues du Congrès. Effectivement, donc, ce projet d'avenant à l'accord particulier entre le territoire de Wallis et Futuna, l'État et la Nouvelle-Calédonie, et la continuité de l'accord qui existe déjà, vous le savez, hein, qui a été signé en 2003, qui était prévu dans le cadre de l'accord de Nouméa, également dans la loi organique, et donc qui a été formalisé en 2003 et ensuite mis en œuvre progressivement en fonction des personnalités à la tête du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, donc plus ou moins suivi, certaines personnalités étant plus favorables au suivi de cet accord en particulier. Compte tenu justement peut-être du constat que l'accord en question n'avait pas fait l'objet d'un suivi régulier dans les années précédentes, le choix du gouvernement collégial que je préside, du 16e gouvernement, a été de structurer davantage cet accord particulier avec Wallis et Futuna. Et cette structuration plus précise, je la déclinerai en trois points. Le premier, c'est donc quelque part l'objet de l'avenant qui vous est proposé, est une définition un peu plus large des domaines dans lesquels l'accord peut intervenir. C'est l'article 3 du projet d'avenant où on précise les secteurs donc identifiés et prioritaires qui finalement sont assez généraux hein, puisqu'on parle du développement économique, de l'agriculture et de la pêche, le développement du numérique, le tourisme, le transport maritime, le transport aérien, l'éducation, la formation et l'insertion professionnelle, la mobilité, la jeunesse et les sports, la protection sociale et la santé, la gestion des risques, la protection et la valorisation des écosystèmes et la biodiversité marine et terrestre, la transition écologique, culture et le patrimoine, et enfin l'intégration régionale. Donc vous voyez que ça touche finalement un peu tous les domaines de société qui intéressent les populations. Le deuxième point sur lequel on a souhaité un peu plus de précision, c'est la gouvernance de cet accord particulier, où on a créé donc un comité de suivi avec une mission précise qui est finalement le comité de pilotage, je vais dire ça comme ça, de l'accord, composé donc des représentants du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna et bien sûr de l'administrateur de Wallis et Futuna, et qui est le comité qui est décisionnaire dans les actions qui vont ensuite être déclinées chaque année dans le cadre de cet accord. Ces actions étant elles-mêmes préparées par un comité technique avec à la fois un bilan de l'année écoulée et une prospective sur l'année à venir des différentes actions qui seront mises en œuvre dans l'accord. Et bien sûr, deux services opérationnels que sont le service de la coopération régionale et des relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie et l'équivalent de Wallis et Futuna. Et enfin, le troisième pilier important, c'est le pilier financier, puisque pour la première fois dans l'accord particulier, on a mis en œuvre un dispositif pluriannuel. La Nouvelle-Calédonie, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, vous avez voté dans le budget primitif 2020 une enveloppe, une autorisation d'engagement de 200 millions sur 5 ans, avec une enveloppe première en 2020 de 14 millions. Elle était de 20 au départ, on a un peu réduit à cause de la crise, donc elle est de 14 millions aujourd'hui. Ça a été modifié lors du budget supplémentaire. Le reste étant étalé sur les 4 années suivantes. Mais également, l'Assemblée de Wallis et Futuna a également voté une autorisation d'engagement de 100 millions, répartie sur 5 ans également. Et donc c'est important, c'est la première fois qu'on a donc une prévision pluriannuelle des financements, tant de la Nouvelle-Calédonie que de Wallis et Futuna, dans le cadre de cet accord particulier. Donc voilà, Monsieur le Président, les principaux points qui font l'objet de ce projet d'avenant. Mon objectif... Contrairement à ce qui avait été envisagé, Monsieur le Président, ce n'est pas de signer l'avenant en question le 20 novembre prochain. J'ai l'intention de me déplacer sur place à Wallis et Futuna. Et c'est plutôt envisagé dans la semaine du 9 au 16 décembre prochain, où je vais me déplacer donc à Wallis et Futuna pour procéder à la signature de cet avenant avec les autorités de Wallis et Futuna. Voilà, merci, Monsieur le Président. Bien, merci. Monsieur le Président, donc, nous allons procéder à la lecture du rapport de commission. Madame Neslin,
à la page 5, Cabox, page 36. Merci, Président. Dans la discussion générale, M. Tukumuli félicite les représentants du gouvernement pour cette initiative essentielle qui vient 17 ans après l'accord originel signé en 2003. En outre, il met en exergue la rapidité de traitement du gouvernement actuel en place depuis seulement 2019. Madame Suvé rejoint M. Tukumuli et remercie les représentants du gouvernement pour leur ténacité sur ce dossier. M. Sawa demande des précisions au sujet de l'offre d'assistance à la maîtrise d'ouvrage de la Société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie, SECAL. En réponse, M. Mouliava explique que le montage de la gestion du portefeuille avait été confié à la SECAL afin de bénéficier d'une méthodologie adéquate. La société a ainsi été missionnée sur la programmation des 4 années restantes, la priorisation des différents secteurs de coopération via des plans d'action à mettre en œuvre et afin de proposer des outils de pilotage et de suivi. Mettant en exergue l'expertise de la SECAL s'agissant de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage ainsi que son apport en matière d'ingénierie technique et financière, il souligne qu'il s'agit précisément de l'objet de l'avenant examiné. En outre, il indique qu'il s'agissait de permettre à la SECAL de répondre à des appels d'offres en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage, car son intervention à Wallis et Futuna peut être une opportunité au regard des soucis de structuration de la filière du bâtiment et de travaux publics BTP, s'agissant notamment de la réponse aux appels d'offres. Il signale par ailleurs qu'un appel d'offres sera lancé en fin d'année pour un accompagnement sur la gestion de ce portefeuille, projet auquel la SECAL pourra répondre. En tant que président de la SECAL, Mme Suvé indique se déporter. M. Sawa note qu'il sera opportun que la SECAL effectue une présentation de son plan d'action par la suite, de façon à ce qu'il y ait un suivi de ce dossier. Voilà, Président, sur la discussion générale. Merci, Mme Leslie. Donc, j'ouvre la discussion générale. Est-ce qu'il y a des interventions ? Pas d'intervention. Madame Thioué. Merci, Monsieur le Président. Nous voulions amener des observations sur cet accord particulier avec Wallis et Futuna. C'est sûr que c'est un dispositif inscrit dans les accords de la loi organique. C'est que la Nouvelle-Calédonie traverse aussi une période difficile, même s'il s'agit que de 200 millions. Nous avons des soucis à régler encore dans notre pays pour financer les services publics que nous devons rendre à la population. L'État, dans ce document, dit qu'il va participer, sauf que nous n'avons pas ce montant que l'État doit donner pour venir aussi en aide à cet accord et soutenir Wallis et Futuna. Mais préciser aussi que, est-ce que c'est le rôle, même si c'est dans l'accord particulier, la Nouvelle-Calédonie n'a pas colonisé Wallis et Futuna. La France doit aussi amener sa contribution et pour justement développer Wallis et Futuna. Avec tout le respect pour la communauté qui est ici, qui est dans notre pays depuis un certain nombre d'années, nous n'avons pas à pallier au manquement de l'État français. Et nous voulons aussi souligner que c'est dommage aussi que quand il y a eu des déplacements à Wallis et Futuna, Madame Orisuke a participé à la délégation avant le Covid, il n'y ait aucun élu indépendantiste qui accompagnait la délégation. Il aurait fallu aussi que nous y allions. Nous sommes quand même les gens de ce pays, les autochtones de ce pays, et on fait des choses comme ça sans que nous y participions. Les chefferies de Wallis et Futuna, ils sont impliqués dans cet accord. Et le Sénat coutumier pour la Nouvelle-Calédonie, elle est où ? Il est où le Sénat coutumier ? Pourquoi on intégrerait les coutumiers de là-bas dans cet accord et nous pas aussi ? Donc, ce sont ces observations que nous voulons amener ici.
sur ce projet, et d'autant plus que le lien qu'il va y avoir avec la province sud, puisque Madame la Présidente de la province sud doit signer à 10h, c'est ce jour, ou non, demain à 10h, un accord aussi avec Wallis et Futuna à la maison au foyer, c'est ça, Wallis et Futuna, demain à 10h. Donc, c'est quoi le lien, là? Et ça fait combien en tout, en termes de finances? C'est 300 millions sur 5 ans, 66 millions par an. Et la province sud, on n'a pas l'engagement financier, sauf si c'est des engagements humains, les gens doivent se déplacer là-bas pour aider. Voilà ce que je voulais, pour le compte de notre groupe, dire ici. Merci. Bien, merci, Madame Thierry, et Monsieur le Président du gouvernement. Merci, Monsieur le Président du Congrès. Je ne répondrai pas à la place de la présidente de la province sud. Sur les questions que vous avez posées, Madame Thioué, concernant la présence des coutumiers dans le comité de suivi de l'accord particulier, juste rappeler que cet accord particulier, tel que c'est écrit dans l'accord de Nouméa et la loi organique, l'objectif, c'est de créer les conditions économiques, sociales et sanitaires pour inciter les populations à rester sur place. Et donc, l'objectif de l'accord particulier, c'est de développer des activités à Wallis et Futuna. Et c'est la raison pour laquelle c'est effectivement uniquement les coutumiers de Wallis et Futuna qui sont représentés dans le comité de suivi au même titre, que le président de l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna, que le préfet de Wallis et Futuna, parce que c'est eux qui finalement sont les plus à même de nous donner l'information des activités susceptibles de permettre d'améliorer les conditions économiques, sociales et sanitaires sur place. Donc c'est la raison pour laquelle le comité de suivi a été défini de cette façon-là. Je vais laisser, si vous voulez bien, mon collègue M. Mouliava apporter des éléments de réponse sur la participation de l'État. Ce n'est pas que l'État ne participe pas. L'État va participer, mais d'une certaine façon que mon collègue va vous décrire, puisque j'ai fait en sorte qu'il puisse également à nouveau se rendre sur le territoire la semaine, il y a 15 jours. Et ça a permis justement d'aller un peu plus dans le détail d'un certain nombre de choses sur cet accord particulier. Donc si vous voulez bien, Monsieur le Président du Congrès, donner la parole à Monsieur Mouliava. Bien, merci Monsieur le Président. Monsieur Mouliava, vous avez la parole. Merci Président. Les salutations du matin, Président. Et aussi à la Présidente de la province sud et à l'ensemble des élus du Congrès. Je crois que l'esprit doit être plus fort que le mental. L'esprit doit être plus fort que le mental. On dit qu'il faut respecter les accords dans l'esprit. L'esprit doit être plus fort que le mental. Parce qu'au-delà de l'émotion, l'émotion doit laisser place à la raison. Et j'entends partout dire qu'il y a des accords et il y a des prophètes, et qu'aucune ligne ou interstice doit être bougée. Là aussi, j'ai envie de dire que cet accord, cet avenant-là, l'accord particulier, j'ai pas envie de faire l'historien, mais il est arrivé par une décision des politiciens d'ici, pas de l'État, des politiciens de la Calédonie qui voulaient cesser que les Wallisiens et les Futuniens arrivent ici, en masse. C'était ça, le truc. L'accord particulier a été décidé par les politiciens d'ici pour permettre, lorsqu'on coupe ce cordon ombilical qui raccroche Wallis et Futuna, qui était une dépendance administrative de la Calédonie, un accord particulier, pourquoi ? Pour les accompagner, comme l'a dit le président Santa, à se développer économiquement là-bas, et puis maintenir les forces vives sur place. Voilà le cadre général, la philosophie et l'esprit qui doit dépasser le mental et l'émotion. Voilà pour une réponse un peu générale. Maintenant, je vais rentrer dans les détails des chiffres. Peut-être avant de dire que le président Santa du gouvernement, il est président d'un gouvernement collégial. C'est pas seulement le président Santa qui m'a missionné, c'est l'ensemble du gouvernement collégial. La décision a été prise
au sein d'un gouvernement collégial, c'est-à-dire des membres loyalistes, mais aussi des membres indépendantistes. Je suis parti au nom de ce gouvernement collégial. Maintenant, sur le financier. J'ai été, on a discuté avec l'administration supérieure, et l'administration supérieure m'a dit tous les dispositifs d'aide nationale qui échappent à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie du fait de leur statut. Là-bas, il y a 4 milliards pour le contrat de convergence, 2 milliards pour la rénovation du lycée, d'autres milliards, enfin, je ne sais pas, il y a peut-être 10 milliards en tout. Et ils ont les dispositifs que les départements français ont. C'est-à-dire que la question de l'argent, ce n'est plus le problème. Parce que vous voyez bien qu'on s'approche vers la fin d'un accord qu'on a tous pris ensemble, les anciens, mais qu'il n'y a rien qui a été fait en vérité. Donc, l'esprit pour moi de l'avenant à l'accord particulier qui vous est présenté aujourd'hui, l'aide de la Calédonie relève plus pour moi, il reste 3 ou 4 ans, de l'ingénierie technique et financière, parce que Wallis et Futuna croule sur les aides financières. Donc, voilà les discussions que j'ai eues avec l'administration supérieure pour vous dire l'engagement de l'État, financier de l'État, il est bien plus qu'il y a ici ou en Polynésie française. Donc, c'est en discutant avec les parties prenantes là-bas que j'ai bien observé et fait un bilan des actions que nous avions menées. Et c'est pour ça que j'ai dit que l'esprit doit dépasser le mental et l'émotion, passer à la raison, parce que l'émotion, c'est le héros. Je ressens quelque chose, j'y vais. Mais la raison, c'est la stratégie. Et l'approche du gouvernement actuel avec l'ensemble des membres du gouvernement, quand j'ai fait le bilan et je leur ai présenté, nous avons bien vu que nous nous comportions comme des héros et pas comme des stratèges. Et c'est là l'objet de cet avenant, c'est qu'on passe en stratégie et qu'on regarde qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est la méthode, c'est la gouvernance, c'est la planification. Donc voilà la philosophie, et j'allais dire même opérationnelle, de l'avenant à l'accord particulier tel qu'il vous est proposé aujourd'hui. De la stratégie. De la vision. De l'opérationnalité. Voilà, Président. Et mes chers collègues Bomboué du Congrès, quelques mots d'éclairage à apporter sur cet avenant. Et j'ai envie de dire, c'est de la politique action. Merci. Merci, Monsieur Mouliava. Madame la Présidente Bakès. Merci, Monsieur le Président. En réponse à Madame Tiwé, d'abord, effectivement, on est censé signer un MOU demain matin. L'avion de Wallis vient d'être annulé, donc il est possible que la signature n'ait pas lieu demain. Je n'y vois aucune manœuvre, bien sûr, parce que tout ça s'est passé dans la fluidité absolue et personne n'a rien fait pour que cette chose-là ne se passe pas. Bref, simplement pour répondre à Madame Tiwé, l'idée de cet accord qui est en cours donc d'être signé avec le territoire de Wallis et Futuna, c'est d'avancer, et c'est conforme aux engagements que nous avons pris au titre de l'avenir en confiance, d'avancer sur la valorisation de toutes les cultures qui vivent en Nouvelle-Calédonie, et en particulier donc ici de la culture wallisienne et futunienne, et d'avancer également sur tout ce qui concerne la coopération dans les domaines de compétences qui relèvent de la province sud. Donc il s'agit, pour rentrer un peu dans le détail, de travailler sur une maison de Wallis et Futuna en Nouvelle-Calédonie, de travailler en matière de compétences, en matière de développement économique, sur des partenariats qui pourraient avoir lieu pour accompagner les créateurs d'entreprises wallisiens et futuniens dans leur démarche. Il s'agit d'accompagner les sportifs également, puisque le domaine du sport est une compétence de la province.
Et il s'agit d'accompagner également les Wallisiens et Futuniens dans le domaine du logement. Donc c'est l'objet de ce MOU qui est en passe d'être signé. Pour l'instant, pour répondre à votre question, il n'y a pas de chiffrage, puisque pour l'instant, on est dans un travail de coopération avec des moyens humains qui sont mis à disposition pour travailler là-dessus, mais ça se traduira dans les prochains mois, sans doute, par des inscriptions budgétaires. Bien, merci, Madame la Présidente. Madame Thioué. Dernière intervention, Président. Donc, moi, je veux bien que ça ait été, que ce soit décidé en collégialité. Ce n'est pas une raison aussi que nous ne posions pas nos observations ici. Et enfin, si nous voulions Nouvelle-Calédonie, parce que nous comprenons l'esprit de l'accord qui a été signé à l'époque, la loi organique inscrite dans les dispositifs de la loi organique. Mais on aurait voulu aider Wallis et Futuna pour justement maintenir leur population. Vous croyez qu'avec 300 millions, on va réussir 2021-2024? Il ne faudrait pas aussi qu'on utilise des subterfuges, entre guillemets, pour essayer aussi de nous monter les communautés les uns contre les autres, surtout nous, le Kanak, avec la communauté wallisienne, parce que c'est un sujet sensible. Et ça vient attiser ça aussi. Aujourd'hui, dans un moment de récession économique et aussi de contexte politique difficile, parce que la manœuvre, moi, je veux bien, mais nous, c'est comme ça que nous l'interprétons aussi. Pourquoi nous allons plus aider aujourd'hui que nous l'avons fait sur les 28 dernières années? C'est ça, parce qu'on aurait appliqué comme il faut, on aurait amené pour le Wallis et Futuna vraiment un réel effort pour que les populations se maintiennent là-bas. Parce que nous sommes aussi pour ça, pour que les gens restent chez eux. C'est aussi simple que ça. Mais il ne faut pas aussi nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. En tous les cas, nous nous abstiendrons sur le vote de la délibération. Merci, Président. Merci, Monsieur Brial. Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, je ne suis pas signataire de l'accord, donc vous pourrez mieux nous expliquer pourquoi ça a été mis dans l'accord de Nouméa. Mais en tout cas, on a bien compris que c'était pour que les populations wallisiennes et futuniennes restent plus à Wallis et Futuna que viennent en Nouvelle-Calédonie. Puis même, à la rigueur, que si les jeunes formés, après, puissent retourner à Wallis et Futuna. Donc, sans être participant de l'accord de Nouméa, on comprend bien que cette demande initiale, elle est plus émanante des indépendantistes que des loyalistes. J'entends rarement les loyalistes dire que la place de la communauté wallisienne et futunienne en Nouvelle-Calédonie, elle n'est pas légitime. Je ne comprends pas trop les commentaires de ma collègue, Mme Thioué, sur les fonds apportés. Je vous rappelle que c'était dans l'accord de Nouméa, ça devait être signé avant le 30 mars 2000. L'accord particulier, il a été mis en place en 2003, sous la présidence de Pierre Frogier. Donc déjà, on avait trois ans de retard à l'époque sur quelque chose qui était normé. Est-ce qu'on a mis assez de moyens? J'en sais rien, mais on parle de solidarité, on parle d'aide, mais on ne parle pas de n'importe qui, là. Wallis et Futuna, ils sont océaniens comme nous, ok? Mais il y a juste un petit truc, hein. ils sont français, comme nous. Wallis et Futuna, c'est l'île sœur, en fait, dans le Pacifique. Donc, quand on s'interroge aujourd'hui sur les 200 millions qu'on met sur 4 ans, si c'est justifié, si c'est un coût dans votre déclaration, ça paraît beaucoup par rapport aux moyens de la Nouvelle-Calédonie qui est en difficulté budgétaire. Et puis après, d'un autre côté, ça paraît pas assez par rapport aux objectifs. Alors peut-être, et je trouve, moi, dans les priorités, il y en a trop. Du coup, quand il y a trop de priorités, on a du mal à déterminer ce que sont les vraies priorités. Peut-être que ça, c'était à revoir. Mais l'action de la Nouvelle-Calédonie dans cet accord particulier, qu'encore une fois, je félicite le gouvernement d'avoir travaillé rapidement là-dessus, elle est dans le bon sens. Elle est dans un sens de coopération entre deux petites îles perdues au milieu du Pacifique qui sont tous les deux françaises, qui en a une population wallisienne et futunienne qui est importante sur le territoire, et on était bien contents de l'avoir, les wallisiens et futuniens, pas que par rapport à leur descendance, mais par rapport au travail qu'ils ont fait, par rapport au développement qu'ils ont amené sur ce territoire. Donc, moi, je vois pas pourquoi on s'étonne. Et alors, ce qui me choque, par contre, vraiment, c'est quand vous parlez d'opposition des communautés. Mais qui a parlé de ça ici? Qui a parlé de ça, à part vous? C'est-à-dire, mais à quel moment
dans l'accord particulier, on oppose les communautés. À quel moment, dans le MOU, quand on dit qu'on veut valoriser l'ensemble des cultures de la Nouvelle-Calédonie, ça oppose les communautés. Valoriser l'ensemble des cultures, c'est pour que tous nos enfants apprennent à mieux se connaître et à mieux vivre ensemble. À quel moment on les oppose quand on fait ça? Et quand vous déclarez que cet accord particulier, c'est presque un truc politicien, une espèce de truc masqué pour opposer la communauté kanak à la communauté wallisienne, ben moi je dis que vous avez l'imagination. Hein, parce que alors je l'ai bien lu l'accord, j'ai bien lu l'avenant et jamais j'ai vu ça dedans. Moi ce que je vois, c'est une coopération, une solidarité entre deux îles sœurs. Et vous savez, on n'a pas besoin d'être un colon pour aider l'autre. La Nouvelle-Calédonie, elle n'a peut-être pas, pas colonisé Wallis et Futuna, comme l'avait dit, mais ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas colonisé qu'on ne peut pas avoir un accord et travailler ensemble. Parce que quand le Vanuatu est en difficulté, hein, quand malheureusement ils ont un événement, un cyclone, des choses comme ça, eh bien, la Nouvelle-Calédonie apporte sa solidarité. Pourtant, on n'a pas colonisé le Vanuatu. Puis là, il n'y a personne qui s'en plaint. Donc, c'est plutôt votre déclaration, c'est votre façon de penser qui amène à la confrontation des communautés. Je suis très étonné de vous entendre dire ça. Alors au moins, ça a le mérite d'être clair. Hein. Pour ceux de la communauté wallisienne et futunienne qui pouvaient avoir des doutes sur votre projet d'intégration, hein, d'intégration de la communauté dans le futur, eh ben, je pense que là, ils ont quand même quelque chose de relativement clair sur la façon dont vous imaginez leur futur en Nouvelle-Calédonie. Bien, merci, Monsieur Brial. Alors, Monsieur Tudigourou. Oui. Merci, Président. Merci au bureau de la province sud, au bureau des exécutifs de la province sud pour l'accueil de ce matin. Donc, pour ce texte, même si on n'a pas été signataire, nous, de cet accord, parce que les anciens l'ont fait pour nous. Donc, l'esprit de cette signature, on le connaît. Il me semble bien, pour partager, Monsieur le Président, un certain nombre d'éléments de compréhension, que pourquoi cet accord avait été signé. Il y avait deux raisons, à notre sens. Hein, et c'est ce qui avait engagé la signature de nos responsables à ce moment-là. Donc c'est pour mettre fin à la dépendance administrative historique des îles Wallis et Futuna à la Nouvelle-Calédonie depuis 1887. Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie cesse ses compétences sur Wallis et Futuna. Et la deuxième raison, c'était de fixer sur place, pour des raisons économiques, sociales et sanitaires, les populations de Wallis et Futuna. Qui était à l'initiative de cet accord particulier? Les signataires de l'accord Nouméa. Donc, qui se sont mis d'accord en prévoyant un article spécifique de la loi Agadic du 19 mars 1999, même si la demande a été introduite principalement, comme le dit si bien le collègue, par les indépendantistes. Donc après, je passe l'encadrement juridique et la durée, puisque c'est un accord qui a été conclu pour une durée de 10 ans. Sur la mise en œuvre, il y a eu 4 comités de suivi depuis 2009, 2010, 2012, 2019. Il y a quand même eu des choses qui ont été faites. Hein. Il y a eu 41 conventions de partenariat, dont 34 au cours de réalisation. 9 qui ont été signés avec un engagement budgétaire, dont 7 ont déjà été financés principalement par la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Donc, par rapport à cette signature, par rapport à ces engagements, il est de notre devoir, nous, aussi bien dans les choses qui encadrent notre engagement politique par l'accord de Nouméa, de le mettre en œuvre. C'est tout l'accord, c'est rien que l'accord et tout l'accord. Voilà. Donc, notre groupe, nous, soutiendra cette démarche d'action, parce que ce n'est pas le tout de penser, ce n'est pas le tout d'y mettre l'esprit, il faut mettre aussi l'action qui va avec. On parle de mise en œuvre de ces accords. Là où je pense que peut-être que je ne sais pas si les choses ont déjà été engagées, pleinement engagées par la province sud, je mets quand même des réserves sur la MOU de la province sud. Mais je ne suis pas élu de la province sud, mais je profite d'en parler là, puisqu'on a parlé. Par contre, on est pleinement derrière l'esprit du gouvernement collégial qui essaye de mettre tout en œuvre pour que toutes les choses qui ont été actées et signées puissent être mises en œuvre définitivement et correctement, voilà, comme ça a été prévu
au moment de la signature de ces accords. Voilà, voilà pour le groupe. Hein. Nous, on soutiendra ce projet. Bien, merci, Monsieur Tedugoro, Monsieur Mouliaba. Merci, Président. J'ai entendu tout ce qui s'est dit. Hein. Je vais juste vous raconter une anecdote. J'étais là-bas, j'ai amené la French Tech, le numérique, pour essayer de développer un peu cette filière économie du digital. Il y a quelqu'un parmi les gens qui étaient là-bas qui m'ont interpellé. Ils m'ont dit, ben moi, qu'est-ce que tu viens nous faire chier ici, là ? À nous venir à nous dire de nous aider à développer le pays, etc. Et, va plutôt t'occuper de nos gens là qui sont dans les squats et qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas accès à un habitat normal, de venir nous donner des leçons. Je leur ai dit, voici ce que j'ai répondu. Il dit, il ne faut pas me parler comme ça. Parce que le problème qui est à Nouméa, le problème c'est vous ici. On ne pourra pas toujours venir faire Tarzan et Cheetah, etc. Il y a un moment donné, il faut que Cheetah devienne Tarzan et se prend en charge. C'est-à-dire que le problème que vous êtes en train de me reprocher à moi et derrière moi, la Calédonie, des squats, etc., c'est un problème qui nous tient à cœur en Nouvelle-Calédonie. Mais nous ne pourrons pas le régler seuls. À vous aussi, là-bas, de vous mettre en responsabilité et de développer votre pays. Pourquoi je vous raconte cette anecdote ? Parce que tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est lié. Et quand je suis là-bas et que je vois qu'on fait des églises à partir d'ici, pour des églises où il n'y a plus personne qui vont prier, l'avenant à l'accord particulier, c'est agir à la source. C'est de la chirurgie structurelle, pas de l'esthétisme. Là. Donc, voilà, pour résumer un peu la chose, de l'émotion, on doit passer à la raison. Et il est vrai, quand je dis toujours, je caricature un peu, quand je dis que rien n'a été fait, évidemment qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Mais justement, l'analyse des actions qui ont été menées permet de les utiliser comme des données, de les rendre intelligibles et intelligentes pour pouvoir réajuster comment la Calédonie peut intervenir. J'ai aussi eu quelqu'un qui me dit, mais qu'est-ce que tu viens me faire chier avec ton numérique là ? Putain, nous, c'est le BTP. Nous, c'est le BTP ici. Nous, on veut du... C'est ça qu'on veut. Il dit, mais quand on aura bétonné toute l'île, tu vas faire quoi ? Vous voyez ? Donc, l'intervention, là, que nous, on a maintenant, au niveau de la Calédonie, d'amener du numérique, développer l'économie digitale. Et c'est pour ça que je partage ça avec Christophe Gilles. J'aime ces trucs-là. Parce qu'on est offensif. C'est des modèles économiques qui ne sont pas tournés vers l'intérieur. Parce qu'on sait très bien, on a un marché taille critique. Le marché, il est à l'extérieur. Il faut être conquérant. Et ça aussi, ça fait partie de la méthode. Donc, ce que j'ai envie de dire, je ne veux pas... Voilà, nous, on est des peuples qui racontent des histoires, des anecdotes, pour qu'on comprenne les choses. Voilà, ça, c'est pour résumer un peu l'esprit de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Sous l'impulsion de ce nouveau gouvernement collégial. Et j'insiste, je n'ai pas été missionné seulement par Thierry Santa, le président du gouvernement. Il l'a proposé en réunion du gouvernement, à un moment donné où il y avait besoin que quelqu'un s'attelle à la tâche. Et ce n'est pas parce que je suis wallisien ou foutounien que les collègues m'ont mis dedans. Ils ont vu que moi, avant d'être politique, j'étais un manager de projet. J'approche cette problématique comme un manager de projet. Voilà, c'est tout. Il n'y a que le résultat qui compte de la politique action. Merci. Merci, monsieur Bouliaba. Je vais... Oui, allez-y, monsieur Wachidine. Merci, président. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, hein, s'agissant de la solidarité entre... les territoires. Je suis aussi d'accord pour dire que cette solidarité ne doit pas être de la cistana, qu'un territoire, pour des raisons aussi historiques que vous connaissez tous,
Moi, je m'étonne hein, que dans ce qui nous est proposé là, l'État est totalement transparent. Et c'est la Nouvelle-Calédonie qui, d'une certaine manière, se substitue à l'État pour venir en aide au territoire de Wallis et Futuna. Je suis d'accord aussi hein, donc pour dire que c'est d'abord au territoire de Wallis et Futuna de se prendre en charge. Et on assume totalement ce qui a été décidé en 2003. La demande a été fortement soutenue par les indépendantistes pour les raisons que tout le monde ici connaît. Hein, forte communauté ici, avec, dans le contexte de l'histoire de l'époque, où souvent cette communauté, et je le dis fortement, a été utilisée hein, donc, dans le cadre des séquences électorales qui a pu avoir lieu. Si les indépendantistes à l'époque avaient soutenu cette demande, c'est précisément pour que, non seulement pour traiter le problème, parce qu'on a fini par admettre aussi, nous ici, que les Wallisiens et Futunens qui ont, parce que c'est aussi des générations, ont une légitimité à porter ce pays. Mais il faut mettre fin à ce phénomène de migration qui est devenu systématique pour les seules et bonnes raisons que Wallis et Futuna n'arrivent pas à capter ces populations. Et cet accord particulier répond pour partie à cette idée de les fixer là-bas. L'État doit participer. Mise en place notamment des infrastructures, comme ça a été fait en Nouvelle-Calédonie, notamment, hein, qui a été permise notamment par les accords de Matignon ou Dino. On aurait aimé que ce phénomène également, donc ces principes de rééquilibrage d'une certaine manière, se fassent également à Wallis et Futuna. Et l'État, mine de rien, dans ces histoires-là, c'est aussi l'État hein, qui est à l'origine, d'une certaine manière, de ces phénomènes de migration entre les populations des îles, du fait d'une certaine mainmise, avec des relations qui ne sont pas forcément celles qui peuvent rentrer dans une coopération, mais simplement pour des raisons, je dirais, d'ordre géostratégique. C'est ça la réalité. Et les Kanaks, à un moment donné, ont considéré que ben, peut-être qu'il est de bon temps que, ben, qu'on prenne aussi, pour le compte des populations locales là-bas, hein, pour éviter précisément qu'ils viennent ici, là, donc, vivre dans des conditions que beaucoup de ressortissants kanaks partagent, hein, dans les squats, etc. C'est tout un ensemble. C'est ça l'état d'esprit. C'est ça l'état d'esprit. Il ne s'agit pas donc d'exclure les uns et les autres, mais que dans le cadre de développement qui peut être opéré dans chaque territoire, ben que les populations qui y vivent, vivent de manière décente. C'est ça la réalité. Donc, on regrette fortement que l'État, dans cette affaire-là, donc la Nouvelle-Calédonie, bon, en plus dans le contexte hein, que l'on connaît ici, avec les difficultés financières hein, que l'on a, et qu'on veuille jouer les bons samaritains, ou je ne sais pas c'est quoi le terme exact, mais est-ce qu'on a la capacité à le faire? Il faut simplement interpeller donc, là aussi hein, donc, l'État sur sa propre responsabilité. Donc, on l'a déjà indiqué. Hein, donc, nous, on s'abstiendra hein, donc, par rapport au vote sur ce texte. Et peut-être un autre élément donc, par rapport au mémorandum là, donc, qui est en phase d'être signé avec la province sud. Moi, je regrette que ce soit dans une approche aussi, d'une certaine manière, communautaire ou communautariste. Pourquoi cibler les populations donc, de cette manière? On va aider les communautés wallisiennes qui vivent en province sud. Moi, si c'est le sens. Hein, donc, si c'est pas le cas, donc, moi, à ce moment-là, je retire ce que j'ai dit, mais on n'a pas à travailler de cette manière-là, de façon communautaire. Nous sommes des populations, une population qui est celle à appeler... Donc à vivre ensemble ici. Donc on va se décharger de toutes ces connotations communautaristes parce que c'est ça qui demain empêcherait hein, donc le pays à vivre donc avec l'ensemble des communautés. Donc je veux dire c'est contre-productif. La proposition qui peut être faite par la présidente de la province sud d'une certaine manière ben, vient contrecarrer ce qui a été engagé.
avec l'accord particulier de 2003. Je crois qu'on a plutôt intérêt, nous, à travailler en bonne intelligence avec le territoire Wallis et Futuna, hein, donc dans des opérations ciblées, mais on ne peut pas, là, donc, dans un contexte de 250 millions, comme ça, qu'on balance, alors que nos propres collectivités, vous connaissez tous les situations, n'ont pas aussi les moyens donc, de faire vivre leurs gens compte tenu des difficultés budgétaires. Donc, moi, je m'interroge sur cette aide subite. Donc là, pour le compte-là, même si je l'aurais dit, moi, je suis pour la solidarité, hein, que solidarité, mais sur des opérations bien ciblées. Et surtout, il me semble qu'il faut ramener l'État à sa responsabilité. Parce qu'on ne peut pas traiter les questions comme ça tant que nous ne sommes pas sortis, nous, de nos propres problèmes du quotidien. Voilà. Merci, Président. Bien. Merci, M. Wachitine. Madame Rufnak. Merci, M. le Président. Moi, je voudrais dire à notre collègue Charles Wachitine que ça n'est pas faire du communautarisme que de s'occuper en Nouvelle-Calédonie de toutes les communautés. C'est faire du communautarisme quand on ne s'occupe que d'une seule communauté. Voilà, ça va être très bref, Monsieur le Président, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Bien, merci, Madame Rufnak. Ah, Monsieur le député Dunoyer. Oui, merci, Monsieur le Président. Trois sujets, si vous permettez. Le premier, pour peut-être obtenir la réponse à une des questions qui n'en a pas encore obtenu, c'est-à-dire le partenariat avec l'État, sous des modalités à définir. Je crois pas avoir entendu ces modalités. J'insiste là-dessus parce que, comme pour des contrats de développement, une programmation pluriannuelle présente, mais on le sait tous ici, des difficultés dans le suivi des engagements. Et c'est un suivi qui peut être technique, qui peut être budgétaire, mais qui, à la fin, donne parfois le sentiment que ces fonds importants sont pas assez bien utilisé. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est comment, dans les comités de suivi, les comités de technique, quelle collaboration la Nouvelle-Calédonie, l'État et Wallis et Futuna va pouvoir mettre pour s'assurer que les sommes qui sont prévues soient effectivement bien dépensées. Deuxièmement, on est fin 2020, c'est déjà la première année du programme qui est annoncé, et dans l'accord dont on va habiliter le président donc à signer le contenu, il est prévu que le comité de suivi de mémoire arrête en N le programme de l'année N+1, donc arrête en 2020 le programme de 2021. Ma question est donc, est-ce que vous pouvez nous indiquer quelles sont, a priori, hein, les actions que le comité de suivi a arrêtées pour 2021, puisqu'on est déjà rendu à la fin de l'année. Et puis enfin, troisième point, Monsieur le Président, c'est pas forcément à prévoir dans l'accord, mais je pense que dans la délibération, ou en tout cas de manière orale, ce serait bien également que le gouvernement, ce qui posera pas de soucis, vienne nous expliquer comment cet accord est mis en œuvre, puisqu'on nous a expliqué que depuis des années c'était difficile, que des choses avaient été faites mais pas tout ce qui avait été prévu. Donc pour éviter de se retrouver avec un constat, ce que je ne souhaite pas, mais je demande qu'il y ait simplement une présentation, un bilan agrégé au fur et à mesure des actions qui seront menées en collaboration sur le territoire de Wallis et Futuna avec la Nouvelle-Calédonie et l'État. Bien, merci, Monsieur le député. Président du gouvernement, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président du Congrès. Comme c'est expliqué dans le projet d'avenant, effectivement, c'est le comité de suivi sur la base des propositions du comité technique qui établit la liste des projets de l'année N+1, qui fait d'abord le bilan de l'année N, et ensuite qui établit les projets de l'année N+1, et donc qui est censé se réunir au moins une fois par an, voire plus à la demande éventuellement de ses membres. Mais au moins chaque année pour faire le bilan de l'année écoulée et envisager les projets de l'année N+1. Lors du déplacement que je prévois donc de faire, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, il est prévu, si vous m'y autorisez bien sûr, ce matin, de signer l'avenant à l'accord particulier et d'organiser sur place un comité de suivi pour envisager justement les opérations de l'année 2021. Bien entendu, si vous le souhaitez, à l'issue de chaque comité de suivi qui sont censés se réunir chaque année, un rapport puisse être établi à destination des membres du Congrès, il n'y aura pas de difficulté. Et sachant que, je le répète, le comité de suivi est censé faire lui-même le bilan
de l'année écoulée et envisager l'année suivante. Pour les participations de l'État, comme l'a indiqué mon collègue tout à l'heure, il s'agit vraiment d'intégrer cet accord particulier dans les dispositifs qui existent déjà et qui sont financés très largement à Wallis et Futuna. Et c'est par l'intermédiaire de ces financements déjà existants dans le cadre des contrats de convergence, des contrats de développement que Wallis et Futuna a signé avec l'État, que l'État apportera son financement à certaines opérations définies dans le cadre de l'accord particulier. Je ne sais pas si mon collègue veut rajouter quelque chose. Monsieur le Président du Congrès. Merci, Monsieur Léon. Merci, Président. Oui, Monsieur le député, il a tout dit, Président. En fait, je l'ai rappelé tout à l'heure, là-bas, ils ont tout plein de dispositifs. Contrat de convergence, plan de relance 5.0, vous êtes mieux placé que moi pour savoir qui croule sous l'argent. Et par contre, dans l'avenant, nous avons plusieurs thématiques, vous avez pu le voir, mais c'est dans le comité de pilotage où siégera l'État qui fléchera les investissements des autres outils de financement sur telle ou telle thématique inscrite à l'accord particulier. Il est là l'engagement de l'État. Enfin, je ne sais pas quoi dire d'autre. Hein. Merci. Monsieur le député. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, je vais préciser sans ma question. Ma question, ce n'était pas de savoir combien l'État avait comme argent. Ce n'est pas ça. Je fais part aussi, ça va être moins rigolo que peut-être l'anecdote de Monsieur Mouliava, mais d'une expérience également sur le suivi, je redis, des conventions pluriannuelles avec engagement financier qui se traduisent jamais par 100% de réalisation. On le sait tous, dans nos budgets d'investissement, dans le suivi des contrats de développement, jamais, sur aucune collectivité d'ailleurs, à la fin on peut s'enorgueillir les uns et les autres d'avoir 100% de réalisation. C'est ça le sens de ma question. Parce que tout autant que les contrats sont nombreux, bien sûr, ce débat a eu lieu à l'Assemblée nationale, donc je le relais auprès de vous, mes chers collègues. Globalement, certaines collectivités, en fait toutes les collectivités, se retrouvent devant des difficultés plus ou moins fortes dans la qualité de l'engagement des opérations qui permettent à la fin de dire, ben voilà, c'est un contrat qui a été bien suivi, ou qui a été efficace, ou dont les opérations ont été menées à bien. Et souvent, c'est normal, on renvoie la responsabilité des collectivités qui sont bénéficiaires de ces contrats, le soin de suivre la mise en œuvre des financements. Mais année après année, je ne vais pas dire pour l'accord particulier, mais à chaque période échéance, à l'Assemblée nationale, le constat est fait que les taux d'engagement ne sont pas à la hauteur, les taux de réalisation non plus. Et comme vous parliez d'amélioration sur la procédure, sur la méthode, sur le suivi, je me disais peut-être que nos services et ceux de l'État peuvent s'engager en ingénierie, en conseil, dans la mise en œuvre des opérations qui seront décidées par le comité de suivi le moment venu. C'est ça que je veux dire. C'est un problème qui n'est pas ni de la faute de l'État, ni de la responsabilité de tout le monde, en fait. C'est globalement, parce que c'est de ça dont vous parliez, c'est ce que j'avais compris, je pense qu'on a intérêt à solliciter à la fois les capacités d'ingénierie de l'État, les nôtres, celles de Wallis et Futuna, pour permettre, dans ce cadre-là, mais dans les autres aussi, dans le cadre des contrats de développement, d'être encore plus efficace dans la réalisation des projets. Merci, Monsieur Dumoyer. Monsieur Moulervois. Merci, Président. Les députés, je crois qu'on dit la même chose. Depuis tout à l'heure, je crois que j'ai dit qu'il y aura un comité de pilotage, que les services de l'État sont dedans, les services de la Calédonie sont aussi dedans, et aussi on espère avoir l'accompagnement de la SECAL. Et la méthode, on va pas la décrire là, mais il y a un comité de pilotage, un comité technique, un comité de suivi. Et effectivement, chaque convention d'application générée dans cet accord cadre sera suivie de près et avec des indicateurs de suivi, quoi. Donc, n'augurez pas tout de suite, le bon déroulement de cette opération, parce que vous dites une vérité qui est partagée par l'ensemble
des collectivités. Mais est-ce que pour autant faut-il rester et admirer l'horizon? Non, prenons la pirogue ensemble. Allons-y avec l'État et puis l'accompagnement. Mais on l'entend, ça, monsieur le député. Merci. Merci, monsieur. Vous l'avez, monsieur Salinga. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, mon intervention, c'est juste pour revenir concernant l'avenant de l'accord particulier, parce que je m'aperçois que dans les discussions, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Moi, je voudrais juste saluer l'efficacité du gouvernement aujourd'hui à travers le président et son membre de gouvernement, M. Mouliava. Après plusieurs années, 17 ans, qu'il a précisé tout à l'heure que l'accord particulier a été mis en place, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été mises en place. D'une part, comme l'a mentionné M. Wachetine, l'État n'a pas joué son rôle. Mais j'estime qu'aujourd'hui, comme l'a précisé M. Brial, l'initiative est venue de la Nouvelle-Calédonie, des politiques de la Nouvelle-Calédonie, comme M. Moulin l'a dit. Les choses se sont décantées au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, je m'aperçois qu'on réagit sur une somme de 250 millions, 300 millions qui sont attribués à Wallis et Futuna sous un avenant. Ce qui m'étonne un peu, c'est que c'est vrai qu'à chaque élection, à chaque élection, on observe qu'il y a des opérations de séduction par des conventions qui sont signées juste à l'approche des élections. Aujourd'hui, le gouvernement il met en place une formule qui va durer pendant 5 ans. 5 ans, ça va faire 50 millions par an. Moi, j'estime que ce sont des miettes par rapport à ce qui a été signé. Ce qu'a soutenu le mouvement indépendantiste en 2003, qui a été d'accord maintenu jusqu'à aujourd'hui, j'estime qu'aujourd'hui, comme l'a précisé M. Tudogoro, et je salue pour lui dire que. Félicitations, M. Tudogoro, parce que aujourd'hui, vous apportez votre soutien parce que c'est quelque chose que vous avez été à l'initiative. Et qu'aujourd'hui, le fait d'avoir voulu figer les populations sur Wallis et Futuna. Ça n'a pas été suivi d'effet jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu les moyens qui ont été mis en place. Et j'estime qu'aujourd'hui, 250 millions sur 5 ans, c'est quand même quelque chose qui pourra apporter un soutien à ceux qui sont sur Wallis et Futuna pour essayer de trouver une solution quant au problème de développement qu'a évoqué M. Mouliava tout à l'heure. Et c'est pour ça que je salue le courage du gouvernement de faire en sorte de pouvoir apporter leur soutien, parce que c'est quelque chose que nous, la Calédonie, nous avons décidé, malgré que ça a été porté par les indépendantistes à ces moments-là, mais c'est la Calédonie qui a demandé à ce qu'on fige. Donc je salue votre soutien, M. Tudogoro, à ce projet-là. Ce qui m'étonne, c'est que quand on parle de Wallis et Futuna, on parle de communauté, d'après les propos de M. Wachetine, et quand on parle de développement en Calédonie concernant... excusez mes propos. Nous avons eu l'habitude avant de prononcer le nom mélanésien. Aujourd'hui, c'est Kanak. C'est considéré comme quelque chose de normal. Quand on parle de communauté, on parle d'un peuple calédonien. Mais aujourd'hui, quand on parle de Wallisien et Futunien, c'est considéré comme un traitement de communauté. Mais quand on parle de Kanak, c'est autre chose. Donc voilà. Moi, ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, je salue le membre du gouvernement, M. Mouliava. Il a pris des risques d'aller à Wallis et Futuna pour se faire apostropher par nos propres gens de là-bas. Mais toujours est-il qu'il a pris le courage d'expliquer pourquoi il était là, expliquer pourquoi il voulait venir soutenir la population, pourquoi il a exposé ses points de vue quant au bétonnage du pays. Donc aujourd'hui, nous pouvons que saluer et encourager M. Santa et son gouvernement à aller jusqu'au bout des choses. Il nous reste 4 ans. Quand on peut rattraper les choses qui ont été en retard depuis des années, 17 ans. Donc je pense qu'avec notre soutien, on pourrait les aider à faire aboutir à des choses qui pourront aider à la fois Wallis et Futuna et tous ceux qui vivent sur ce territoire. Merci beaucoup. Merci, M. Salinga. M. Tukumuli. Merci, Président. J'avais espéré qu'aujourd'hui, dans cette séance publique, le débat ne glisse pas sur
une communauté ou le communautarisme ou l'exclusion, mais qu'on parle de manière très objective sur un avenant d'un accord entre deux territoires. La Calédonie, on a passé beaucoup dans la région. L'accord particulier, c'est 2003, je ne vais pas revenir sur l'histoire. Mais au fait, à l'époque, on manquait peut-être aussi, nous, d'ingénierie et de vision. C'est-à-dire qu'on n'a pas signé de clé de répartition. Qui finance quoi? Il y avait l'idée de mettre des services de l'État, des services du territoire, et puis on essaie de faire des choses. Entre-temps, cet accord particulier est devenu un accord, M. Salinga l'a dit, quasi électoral. Chaque veille d'élection électorale, ben, on envoie des ambassadeurs pour faire en sorte d'influencer les Calédoniens d'origine ici. Aujourd'hui, je me félicite de l'action du gouvernement dans son ensemble. En ce début de mandature, c'était dans le discours de politique générale du président de gouvernement de faire un avenant à cet accord particulier, mais pas juste faire de la cosmétique, c'est-à-dire faire de la méthode. M. Mouliava l'a dit tout à l'heure, fixer les populations, c'est quoi? C'est pas seulement ramener de l'argent et ramener de l'ingénierie technique, c'est développer les entreprises sur place. Pour développer les entreprises sur place, eh bien, je dis ça parce que nous, en Calédonie, on peine aussi à trouver. On a une économie qui, je ne dirais, n'est pas d'une économie de comptoir, une économie insulaire, particulière, où les relations avec la région et l'international ne sont pas faciles. Surtout un territoire qui a été longtemps une dépendance de la Nouvelle-Calédonie, jusqu'à l'accord de Nouméa, où Wallis et Futuna a été livré à elle seule, avec un statut bien particulier. Donc c'est ni plus ni moins que 17 ans après, remettre les choses dans le bon sens. Et je souhaiterais qu'on reste sur cette ligne-là. Je déplore le fait qu'on ait glissé vers je ne sais quoi en parlant d'ethnie, etc. On parle d'un avenant entre deux territoires, la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna, comme il y en a eu avec le Vanuatu et d'autres territoires de la région. Pour finir mon propos, je voudrais juste dire que j'ai appris cette semaine qu'il devait y avoir le MOU de la province sud qui devait être signé demain, qui est une bonne chose. Et j'ai l'impression que ça devient un peu too much ce qu'on est en train de faire, que la mariée depuis l'année dernière est de plus en plus belle. Je veux juste dire au fait que ce qui est important pour nous, c'est pas de faire du cosmétique, mais c'est faire vraiment de la stratégie. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire. Bien, merci, Monsieur Tukumuli. Bon, s'il n'y a plus personne qui souhaite parler, je vais quand même répondre tout à l'heure, parce que j'ai été sollicité en tant que signataire. Hein, voilà, parce que, bah oui, Monsieur Tugo a donné la position du groupe auquel j'appartiens. Oui, effectivement, enfin, tous les débats de cet après-midi, de ce matin, ben, me font rappeler ces débats-là que nous avons eus en 1998. Tout simplement, pourquoi? Ben, parce que dans les discussions, c'était les discussions politiques avec l'État, indépendantiste de d'un côté et non indépendantiste, sont portées sur l'avenir du pays, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et ces discussions ont abouti à cet accord. Cet accord du mois de mai 1998 et ont été ensuite mis en œuvre. Pour la petite histoire ou la grande histoire, ça dépend. Nous, indépendantistes, c'est nous qui avons, et je revendique ici, effectivement, aujourd'hui, c'est nous, les indépendantistes, qui avons donc proposé cet accord à la discussion. Tout simplement pourquoi? Parce que la discussion a porté sur le processus. Processus, que vous connaissez tous, hein, décolonisation, émancipation. Et à ce moment-là, tout naturellement, la question de Wallis et Futuna est arrivée. Parce qu'on s'est dit, mais en fait, Wallis et Futuna, vu ses liens administratifs, institutionnels, etc., avec, et économiques aussi, avec la Nouvelle-Calédonie, mais que va devenir ce territoire? Puisque nous sommes en train de, comment dire, de devenir quelque part une collectivité sui generis, et un territoire qui va s'émanciper. Donc en s'émancipant, il ne peut pas, comment dire, traîner. Enfin, pour reprendre une image, traîner ou remorquer le territoire de Wallis et Futuna, il faut lui laisser son indépendance, ou moins de dépendance en tout cas, par rapport à la Nouvelle-Calédonie. Du fait que nous n'avons pas eu la possibilité, nous les indépendantistes, mais aussi nos collègues non indépendantistes,
d'en discuter avec les responsables politiques de Wallis et Futuna et les coutumiers. Nous n'avons pas eu cette opportunité-là. Ben, nous l'avons décidé. Voilà. Lorsque nous avons amené la question à la table des négociations, je vous rappelle qu'il y a eu trois options qui ont été débattues. Hein. La première option qui a été débattue, c'est la remise en place du protectorat. C'est M. Jacques Lafleur qui l'avait avancé, ça. Protectorat, voilà. Ensuite, c'était Wallis et Futuna, 4e province. Voilà, et ensuite, c'était le statu quo, mais avec moins de dépendance à la Nouvelle-Calédonie, c'est ce qui est arrivé finalement. Donc, c'est cet accord. Mais quand j'essaie de me rappeler ce qui a été finalement arrêté, en tout cas les idéaux, on va dire, de cet accord-là, mais c'est bien ce que vous, les uns et les autres, ont rappelé. C'est d'abord de fixer les populations là-bas. C'est de fixer les populations là-bas, c'est de développer ces deux îles, donc les territoires de Wallis et Futuna, parce que nous avons déjà, à ce moment-là, nous avons eu l'impression, nous les indépendantistes, eh bien, que l'État ne faisait pas le maximum qu'il pouvait le faire. Sur Wallis et Futuna, quelque part, l'État a abandonné ces deux territoires-là. Voilà, ça, c'était notre point de vue. Et donc, il fallait, donc, en régulant de nouveau de nouvelles relations entre nous et Wallis, il était aussi de notre responsabilité de les aider. Voilà, de les aider donc à enclencher cette dynamique-là. C'est une dynamique de développement qui aurait pu fixer les populations dans ces deux îles-là. Comme les provinces donc, étaient destinées à ça aussi. La provincialisation, c'était de fixer les populations aussi. Donc, aux îles, en province des îles et dans la province nord. Solidarité, c'est ce que les uns et les autres ont apporté tout à l'heure, ont développé ce terme solidarité. Mais nous, dans notre esprit à l'époque, c'était solidarité, mais ça ne voulait pas dire l'assistanat ou l'instrumentalisation. Et c'est un peu ce qui s'est passé quand même quand on regarde toutes ces années-là. Puisqu'on a signé l'accord en 98, donc ça fait déjà 22 ans. Voilà, un peu plus de 22 ans. Le nouveau gouvernement donc, se met en place en 99 à 2003, donc ça fait 4 ans après. Hein. Alors que ce dossier-là, c'est moi qui l'avais porté au départ, puisque j'étais membre du gouvernement LEC et ensuite Frogier. C'est moi qui avais porté ce dossier-là, avec M. Manuel Allo, Tino. Voilà. Bon, après, bon, moi j'ai quitté le gouvernement, alors je ne sais pas, c'est pas parce que j'ai quitté le gouvernement que ça a été le projet, le dossier, c'est comme ça. Mais bon, pour X raisons, je pense que ce dossier à chaque fois a réémergé, comme M. Salinga l'a rappelé tout à l'heure, tout justement, ce dossier réémergeait de nouveau à l'approche des élections. Voilà. Mais je pense que ce que M. Tokoumoulé dit tout à l'heure, c'était très intéressant parce que. En fait, le débat, il a dérivé vers le communautarisme, etc., etc. Mais j'ai comme l'impression que c'est à nous, les élus, c'est d'abord à nous, c'est à notre propre politique. Il faut peut-être revisiter ce qu'on a fait, ce qu'on a fait de cet accord-là, plutôt que d'aller parler de nos communautés-là. Qu'est-ce qu'on a fait finalement de cet accord-là? L'État a fait quoi de cet accord-là? Au début, il ne voulait pas mettre un franc, hein, je vous signale. J'ai comme l'impression que ben, c'est comme ça, l'État fait comme ça. Hein. Des fois, ici, c'est pareil. Hein. Sur le contentieux colonial qu'on dit, par exemple, sur le foncier, ben, la DRAF, il a mis beaucoup d'argent au début, puis ensuite, il s'est arrêté. Quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut rester très serein par rapport à cet accord. C'est vrai qu'il nous reste 4 ans, hein, c'est ce qui a été rappelé tout à l'heure. Et je félicite en tant que signataire, hein, puisque voilà. C'est mon sentiment, hein, le président du gouvernement ainsi que M. Mouliaba, d'avoir réactivé ce dossier-là parce que Wallis et Futuna en a vraiment besoin. Voilà, en tout cas, ça, c'est mon point de vue. Comme je l'ai dit, c'est mon point de vue de signataire. Et le partenariat, j'ai signé moi-même en tant que président du Congrès en 2013, d'ailleurs, la dernière convention de partenariat entre le Congrès de Nouvelle-Calédonie et Wallis. Et l'Assemblée titulaire, le Wallis et Futuna. Donc, c'est quelque chose qu'on le fait tout à fait normalement et puis on essaie de faire vivre. Mais c'est vrai que cet accord particulier, il faut absolument terminer sa mise en œuvre
et en tout cas aider Wallis et Futuna à enclencher sa dynamique de développement pour non seulement fixer ses populations, mais assurer son propre développement économique. Voilà les quelques paroles que je voulais partager avec vous, là, mais plus donc en tant que signataire dans l'époque et celui qui a porté ce dossier-là au gouvernement dès 1999. Voilà, merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Non, c'est bon. On va passer à la délibération. Madame la rapporteure, article 1. Article 1er, avis favorable. Sur l'article 1, pas d'observation. Je mets au voix l'article 1er qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. L'article 1er est adopté. Article 2. Article 2, avis favorable. Donc, c'est l'article de transmission. Hein, article c'est ça. De transmission sur l'ensemble du projet de délibération. La commission émet un avis favorable. Bien, merci. Pardon. Donc, avant de soumettre le projet de délibération, est-ce qu'il y a des explications de vote? Madame Souvé. Madame Souvé, Madame Thiéoué. Personne d'autre? Ah, Monsieur Tutugo. Madame Souvé, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Lorsque les partenariats sont menés avec du bon sens, de la volonté et du cœur, il n'y a pas de cosmétique. Il y a simplement le désir de travailler ensemble. L'accord particulier et le MOU de la province sont complémentaires. L'avenant de l'accord particulier réactive un bon partenariat, pratique et plein de bon sens. Il est dommage de l'aborder seulement d'un point de vue financier, car derrière, il y a aussi le partage de connaissances, de compétences, d'expertise et de relations humaines. Ce partenariat a l'opportunité de renforcer les liens d'amitié, mais également l'opportunité d'avancer sur le vivre ensemble. La Nouvelle-Calédonie est française, le territoire des îles Wallis et Futuna l'est aussi, et ce lien nous unit. Nous avons en plus la chance d'être Covid-free. Monsieur le Président du Congrès, je vous rejoins. Il faut aujourd'hui arrêter de cliver publiquement les communautés qui vivent sur ce territoire. Le moindre interstice pour vivre dans la paix doit être recherché aujourd'hui pour le bien de tous. C'est de notre responsabilité d'élus que de créer du lien et d'apporter l'apaisement. Alors, je ne vais pas plagier, mais juste reprendre une citation de Martin Luther King. Nous devons apprendre à vivre tous ensemble, comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble, comme des idiots. Notre groupe émet un avis favorable. Merci, Madame Souvé. Madame Thiéoué, pardon. Merci, Monsieur le Président. Donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure en introduction des discussions, pour nous, cet accord particulier et son avenant n'appellent pas d'observation particulière, puisque nous sommes aussi sur la démarche que c'est nous qui avons demandé à l'époque, justement, que la communauté soit intégrée aussi, puisqu'il y a une population forte dans notre pays et qu'il fallait aider, justement, à ce que la migration aussi, dans le temps, s'estompe. Et l'avenant qui est signé pour 5 ans, celui-là, est beaucoup plus complet que l'accord de décembre de 2003. Donc, avec tout ce qui est indiqué dans le corps de cet avenant, qui permettra un soutien technique aussi et de formation dans certains secteurs afin de faciliter leur installation dans leurs îles. Il précise également que les engagements financiers sur les 5 ans pour la Nouvelle-Calédonie et le territoire de Wallis, c'est pour un montant total de 300 millions, 60 millions par an, on l'a bien indiqué. C'est vrai que 60 millions, c'est rien, mais on aurait voulu aussi apporter notre contribution au développement de ce territoire
Ben, il aurait fallu qu'on mette un peu plus. Qu'est-ce que c'est 60 millions ? Néanmoins, on se pose la question, au moment de signer cet avenant, s'il n'y a pas lieu de revoir l'engagement financier de la Nouvelle-Calédonie sur ces années qui arrivent, vu le contexte, notre contexte budgétaire. Les domaines indiqués dans l'avenant sont de 12 secteurs à aider en matière financière, technique et en moyens humains. Donc c'est 66 475 2021-2024. Pour la Nouvelle-Calédonie, nous on espère qu'on ne dépassera pas ce chiffre. L'État, qui est aussi partenaire, n'a pas indiqué sa participation financière. Il serait opportun, comme les uns et les autres ont dit, qu'il soit clair, l'État, dans cet accord. Et nous disons encore, nous regrettons qu'aucun élu de la tendance indépendantiste, donc nous, n'ait pas pris part à ces dernières missions de finalisation de l'avenant. On avait l'impression que ça se passait sans nous aussi. Et avec toutes les observations que nous avons eues à apporter dans les discussions aujourd'hui, notre groupe uni s'abstiendra sur le vote de cette autorisation de délibération de signature par le président du gouvernement. Merci. Merci, Madame Thérou et Monsieur Tutugourou. Oui, Monsieur le Président, j'avais déjà annoncé le vote du groupe parce qu'il était pour nous tout à fait normal d'aller dans ce sens, puisque c'est la responsabilité qui nous incombe aujourd'hui en tant qu'élus, en tant que responsables politiques, dans le cadre de la mise en œuvre pleine et entière des accords politiques qui ont été engagés par vous, en particulier avec tous ceux et toutes celles qui, en notre nom, avaient signé cet accord en avenant de l'accord de Nouméa. Donc, c'est d'abord pour cela que le groupe soutiendra et soutient ce projet. Et on remercie aussi le président du gouvernement et son gouvernement collégial d'avoir attendu après les élections référendaires pour le dernier référendum pour pouvoir traiter de du sujet. Ça aurait pu être traité autrement si on l'avait engagé avant le référendum. Donc c'est tout à l'heure, je voulais utiliser le terme de sincérité dans les choses que l'on fait, dans les choses qu'on engage, parce qu'on parle de l'humain. Quand on met l'humain au sort du dispositif, on veut toujours, avant tout, que les choses que l'on fait soient sincères. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas hésité à annoncer notre position au début de mon intervention tout à l'heure. Donc, c'est vrai que le sujet du montant, il est ce qu'il est. Mais on dit que nous aurions pu faire plus, mais nous aurions pu mieux faire avant, si on avait fait les choses dans les temps. Voilà. Donc, peut-être que le temps qui est passé nous a permis plutôt de traiter les choses de la manière dont on a traité aujourd'hui, même s'il y a encore des sujets de discussion qu'il faut en confiance pouvoir discuter, échanger. Mais je pense que à notre niveau, il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant et je pense que c'est en toute confiance qu'on votera le texte qui est proposé et l'avenant par rapport à ce qui est nous proposé aujourd'hui. Voilà, merci. Bien, merci, Monsieur Tutugourou. Je vais donc mettre aux voix ce projet de délibération. Qui est pour ? Contre ? Abstention ? Le projet de délibération est adopté. Nous passons à la désignation des rapporteurs spéciaux. Donc, nous avons 8, en fait, hein. 8 rapporteurs spéciaux à désigner. Cinq projets de loi du pays et 3 avant-projets. Le projet de loi du pays instituant le chapitre 3 du sous-titre 11
du titre 4 de la partie législative de l'ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie. Profession de santé, bon, voilà, ça résume tout. Rapport 8 du gouvernement en date du 11 février 2020. Donc ça a été transmis pour information au conseiller le 11 février de cette année. Et à ce moment-là, Mme Itoupantioué avait été désignée rapporteure spéciale lors de la commission permanente du 4 mars 2020. Je vais donc vous poser la question, est-ce qu'il y a des candidatures? Qui est candidat? Madame Moueta. Nous proposons la candidature de M. Jean Crenier. La en remplacement de Mme Itoupan Tioué. La candidature de M. Jean Crenier. D'autres candidatures? Il n'y en a pas. Est-ce que vous êtes donc d'accord pour M. Jean Crenier? Qui est pour? C'est adopté. Ensuite, c'est l'avant-projet de loi du pays relatif à la protection des aires marines de la Nouvelle-Calédonie. Donc transmis pour information au conseiller le 21 octobre 2020. Est-ce qu'il y a des candidatures? Oui, Mme Coisier. Merci, Monsieur le Président. Nous proposons la candidature d'Emmanuel Cac. Madame Emmanuel Cac. Oui, merci. D'autres candidatures? Pas d'autres candidatures. Qui est pour Mme Cac? C'est adopté. Mme Cac est désignée rapporteure. L'avant-projet de loi du pays relative au télétravail dans le secteur public en Nouvelle-Calédonie. Transmis pour information au conseiller le 28 octobre. Est-ce qu'il y a des candidatures sur cet avant-projet de loi du pays? Monsieur Tukumuli. Oui, merci, Président. Je pose la candidature de Mme Falaéo. Madame Falaéo, candidate comme rapporteur spécial de cet avant-projet. Pas d'autres candidatures. Qui est pour? C'est adopté. L'avant-projet de loi du pays relatif aux chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie, transmis pour information au conseiller le 28 octobre. Des candidatures pour cet avant-projet de loi du pays? Relative aux chambres consulaires, ça ne vous inspire pas beaucoup, mes chers collègues, hein, les chambres consulaires. Monsieur le Président, nous proposons la candidature de Mme Ouattéou sur ce... Elle se sacrifie, alors, du coup. Madame Ouattéou, candidate, vous êtes d'accord? Bien, c'est adopté. Ensuite, la proposition de loi du pays sur les principes directeurs d'urbanisme relatifs à la politique de restructuration de l'habitat spontané. Proposition numéro 42 du 22 septembre 2020, déposée par M. Pierre-Chanel Tutugourou au nom du groupe UCF, LNKS et Nationaliste et Éveil Océanien. Proposition transmise au conseil le 22 septembre 2020. Est-ce qu'il y a des candidatures, des candidats? Monsieur Tutugourou. Le groupe propose la candidature de Milakoulo. De Milakoulo Tukumuli. Tukumuli. D'autres candidats? Il n'y en a pas. Je mets au voie la candidature de M. Tukumuli. Qui est pour? C'est adopté. Ensuite, il s'agit de la proposition de loi du pays sur la propriété foncière. Proposition numéro 43 du 1er octobre 2020, déposée par M. Pierre-Chanel Tutugourou au nom du groupe UCF, LNKS et Nationaliste et Éveil Océanien. Proposition transmise au conseiller le 1er octobre 2020. Est-ce qu'il y a des candidatures? Monsieur Tutugourou. Monsieur le Président, propose la candidature de Marine Sakilia. Madame Sakilia est candidate. Pas d'autres candidatures. Donc, je mets au voie la candidature de Madame Sakilia. Qui est pour? Vous êtes contre? Non? Ah, vous. Hein? Vous êtes contre? Oui. Donc, oui, ben justement, mais je posais la question.
Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, c'est la désignation. OK. C'est la désignation. Oui, mais ils sont contre la désignation. Voilà, c'est ça. Bien, la candidature de Mme Sakilia est adoptée pour être rapporteur. Proposition de loi du pays portant diverses dispositions en matière de fonction publique. Proposition 44 du 13 octobre 2020 déposée par Mme la présidente Sonia Bagès. Des candidatures? Oui, Monsieur le Président, nous proposons la candidature de Mme Sonia Bagès pour être rapporteur de ce texte. Alors, qui est contre? Vous êtes contre la personne? Vous voulez la parole? Oui, allez-y. Monsieur le Président, la raison pour laquelle on est opposé à la nomination sur le texte précédent, c'est parce que ce texte est inconstitutionnel. Donc, vous présentez un texte au Congrès qui est totalement illégal. C'est pour ça qu'on considère qu'il n'y a pas à nommer un rapporteur sur ce texte. C'est tout. Il ne s'agit pas de... Après, sur le reste, on a des consensus. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Là, on est sur un texte qui est purement et simplement illégal. Ça a été dit par le ministre. Chacun le sait ici. Donc, vous décidez d'avancer sur ce texte-là. On est opposé à la nomination. C'est clair. OK. C'est clair. C'est logique. Bien. Alors, je reviens sur cette proposition déposée par vous-même, Madame la Présidente. Alors, est-ce qu'il y a des candidatures? Bon. Il y a d'autres candidatures? Donc, c'est la candidature de Madame la Présidente qui est retenue, alors. Ah, ben, c'est vrai que vous n'avez pas voté. Alors, qui est pour? OK. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention. OK. Donc la candidature de Madame la Présidente Bagès est retenue pour être rapporteur. Ensuite, la dernière proposition de loi du pays relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien, dentiste et sage-femme, mailloticien en Nouvelle-Calédonie. Proposition numéro 46 du 22 octobre 2020, déposée par M. Milakolo Tokoumouli et Pierre-Chanel Tudugoro, au nom du groupe UCFLNKS et nationaliste et éveil océanien. Y a-t-il des candidatures pour cette proposition de loi du pays? M. Tudugoro. Je propose la candidature de Velma. Madame Falayo. Madame Falayo. Qui est pour? Madame Falayo Velma. Vous êtes retenue pour être candidate pour ce. Non. Pour être rapporteur. Bon, je crois qu'on a épuisé l'ordre du jour, là, du coup. Hein? Bien. Ben, je crois qu'on a épuisé l'ordre du jour. Mes chers collègues, Monsieur le Président du gouvernement, Monsieur Mouliava, merci de votre participation active ce matin et la séance est clôturée.